prend décision pour fermer centrale électrique Varé que Sojourner lui-même tape dirigé. OK, que Sojourner tape dirigé depuis un bon bout de temps, depuis les contrats ça signés, c'est Sojourner qui gagne contrôle centrale électrique Varé. Et c'est eux qui ont fourni l'État haïtien courant électrique. C'est eux qui ont fourni courant, produit courant pour l'État et puis l'État lui-même, lui fait distribution. Décision ça prend, c'est. On va retirer la note moins. Décision ça prend, c'est suite à. Par le fait que la famille Vob, ou bien les responsables de Sojourner, pas répondre présent dans le parquet hier, et doit être tribunal premier instance Port-au-Prince, sous demande commissaire gouvernement Port-au-Prince, doyen et tribunal premier instance Port-au-Prince, mais Bernard Saint-Ville, lui rend ordonnance li depuis ailleurs et yon exécuté ordonnance ça. Ordonnance ça qui fermait et centrale électrique Varé qui était sous contrôle Sojourner et qu'on y a l'État haïtien qui a contrôle espace là. Famille n'a pas de répondre présent. C'est suite à responsable pas de répondre présent. C'est suite à plainte qui était déposée et pour yo, suite à plainte qui était déposée en date 8 novembre 2019. Et paquet Port-au-Prince, plainte là était déposée à travers avocat, l'État t'es choisi dans quatre dossiers ça. Et paquet Port-au-Prince, en date 14 novembre 2019, t'as pral écrit Mounsayo, t'as pral invité yo, notamment les responsables de Sojourner, ancien ministre, madame ancien et ancien défunt et préval, t'as pral gen tout ancien directeur général EDH, yo t'as pral joué une invitation et boudé invitation ça. C'est vrai, nous tendez. Bon côté Donald Dorsenville, Daniel Dorsenville, ancien ministre finance sous René Préval, il évoquait un problème de santé, ça fait le pari pour le présent, mais il croit qu'il est capable de mettre invitation là pour début mois de décembre 2019. Lundi, un varie 2, c'est pour l'État haïtien. Mais dans la dernière interview nous fait là avec M. Newton Saint-Just, l'idée parle nous, son question de restitution qu'a parlé. 123 millions de dollars américains que Sojourner t'a fait l'État haïtien mal payé. Roman, t'a fait l'État haïtien mal payé, fait l'État méchanceté. Sojourner fait l'État méchanceté, c'est le maître Newton Saint-Just qui est avec nous là, dans le bouc, quand il a la parole. Mais je dis à ordonnance dans l'Iran, c'est Sojourner qui souvle espace qui produit courant, pour que ça me pose des précisions, ça, puisque Sojourner dans bonne loté, il va une génératrice. Espace qui produit courant, ben l'État haïtien ferme suite à une ordonnance, la justice ferme suite à une ordonnance, juge Bernard Saint-Ville, doyen, tribunal, première instance, Port-au-Prince. Et à ce soir, faut que nous parlions avec M. Newton Saint-Just pour nous garder qui ça qui illégal et qui ça qui légal. Dans décision ça qui prend et jeudi vendredi ordonnance ça sorti hier vendredi a puisque yo pas responsable Sojourner pas répondre présent et l'autre monde tout qui était concerné les anciens directeurs général anciens ministres yo tout pas répondre présent et yo évoqué problème insécurité sous bicentenaire. C'est vrai et à un certain moment t'es tiré mais ça que certain avocat Newton Saint-Just, M. Osner Février, Ephésien Joachim et Frisso Canton, ils ont tous répondu présent et dans le paquet Port-au-Prince ailleurs jeudi 21 novembre 2019 là dans le cadre convoque invitation commissaire gouvernement et nous allons aller bien vite
l'État qui est très pressé, l'État qui travaille, la justice a produit, même si il y a plein de monde qui a plein pour dire qu'il y a des gens qui coupent en prison, il y a des dossiers qui n'ont pas avancé, notamment dossier Petro-Caribé jusqu'à présent, nous ne pouvons pas qu'il niveau lié. Dossier La Saline jusqu'à présent, nous ne pouvons pas qu'il niveau lié. La Saline, nous ne pouvons pas qu'il niveau lié, mais c'est l'État. Et depuis que je suis petit, dans des grands mondes, pas de fer, pas jamais de goumak pot bois. Et puis, petit, je suis dans des abdis. Mes amis, on a passé, et je suis en train de mettre là, et je communication coupée, et n'importe qui est capable de faire une joindre Maître Newton Saint-Just, pour nous parler avec lui, notre téléphone n'a pas sonné là, nous allons parler avec Maître Newton Saint-Just, qui est avocat l'État haïtien, dans quatre dossiers qui mettait bab pour bab, sojourner avec l'État haïtien dans le cadre de restitution 123 millions de dollars à l'État haïtien selon sa avocat l'État haïtien dit sojourner a fait l'État haïtien mal payé. Déjà, nous avons souligné avec nous M. Newton Saint-Just qui est un avocat l'État haïtien dans le dossier sojourner là. M. Newton Saint-Just, bonsoir, son plaisir pour nous dans Boucanter la parole quand nous parlons Boucanter. Bonsoir Valestin, bonsoir à tous nos amis auditeurs qui sur Radio Omega sur qui suivent l'émission Boucanter la parole. Boucanter la parole. C'est un plaisir pour nous ensemble. Moi seulement ici que le moment va passer ensemble pour permettre mon apprendre des bagages. Merci parce que vous mettez tout disponible pour nous et nous croyons et gagne des bagages, gagne des bêtes qui parlent tomber là tout à soir. Première question maintenant dans Saint-Just, qui ça qui légal dans la décision de justice, doit un tribunal premier civil rendre compte sojourner. D'abord, c'est une ordonnance, une mesure administrative, côté que nous fait valoir un bagage que peut-être la population ne connaît pas. Mm-hmm. Et le contrat qui gagne entre sojourner et l'État ici, hein, c'est pas ça en anglais en BOT, c'est-à-dire build, operate, transfer. Le modèle contre ça, c'est construire ou construire un bagage qui va exister par exemple, ou travailler, ou faire l'argent, après ça, on remet les. Mm-hmm. Le contrat entre l'État haïtien et ce général, c'est repair, operate, transfer. C'est réparer, faire fonctionner, faire l'argent et transférer. Ça veut dire qui ça? Le troisième, que... réparer, faire fonctionner, faire l'argent, qui ça quatrième n'aille? Non, c'est faire l'argent, remettre lui. Ok, d'accord, oui. Transférer, mm-hmm. Transférer, mm-hmm. C'est pas l'argent de l'État, parce qu'on va préparer. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Donc, selon le contrat, ça, c'est que, sitio, central, c'est pas pour ce générique, VAO 1 et VAO 2. Mm-hmm. C'est pour l'État haïtien. Là, c'est des sections communales dans la commune Cité-Soleil. Oui. Et c'est pour mes bagages. Mais là, il y a 20 ou 3 qui, pour son général, n'est pas concerné par mesure de reprise de possession. Mm-hmm. C'est très important pour nous, peut-être que mon gars a saisi ou pas saisi un bagage qui était pour vous. Mm-hmm. L'État reprend possession de site et centrale 20 ou 1 et 20 ou 2. Mm-hmm. Non, ce qui s'est basé, nous, juridiquement, c'est que le contrat qui signe entre l'État haïtien et son génère, il y a un article 20.3 qui dit que lorsque il y a une rupture ou bien une résiliation anticipée du contrat et que c'est son génère qui la cause ça, il faut que son génère passe 6 mois, même la résiliation anticipée, mm-hmm. mais pas donc 6 mois pour bien, tout appui technique pour permettre que centrale-là continue à fonctionner normalement. Mm-hmm. Et deuxième raison, juridiquement, c'est ça, la continuité du service public. Mm-hmm. Service public là, doit continuer sans arrêter. Parce que, pas bien, domaine sacré l'énergie électrique, là, l'État qui est monopole là-dedans. Et qui est le monopole là, c'est EDH. Contrat qui lie l'État avec son général, elle pas dit domaine ça, c'est pour son général lié. Mm-hmm. Domaine ça, c'est pour l'État. Eh bien, à tout moment... À travers EDH. À travers EDH. Mm-hmm. À tout moment, il y a une discontinuité. On coupe entre nous-mêmes avec M. Newton Saint-Just. Ou t'es à tout moment, il y a une discontinuité.
Allô? Oui, ou t'es à tout moment. À tout moment. On nous dit, à tout moment, ça va avoir une discontinuité. Même là, ce n'est pas dans le cadre contre ça. Dans tout ça qui concerne le service public, l'État est capable même suppléer à moun qui est en place là pour être capable d'assurer la continuité du service public là dans l'intérêt de la collectivité. Par contre, je comprends. Oui, là, madame aussi. Nous constatons depuis plusieurs semaines, et quand je peux faire ça déjà, que ce général est un moteur. Et nous avons dit que ce général a dit que il n'y a pas l'argent pour acheter gaz. Eh bien, dans l'article 9 points du contrat à l'État haïtien, c'est lui-même qui a pris la gaz. Si l'État d'accord, ça, je m'apprends pour ça, parce que je ne parle pas avec Newton Saint-Just. Et article après aller là, je d'accord pour prendre pour ça, parce que je parle avec vous, parce que le contrat en bas, même là, il dit, il y a des clauses, il y a des barrières qui disent le contrat en bas, on est. Vous pouvez aller chercher là après. Non, moi-même qui besoin de vous-même. Pas de problème, même du moi-même, il parle en bas, même, ça veut dire, soit dit, article 9.3, ou dit, c'est sur une capacité de gaz là, je ne ça veut dire, comme c'est vous qui dit, mwen bon bénéfice là. Nous perdu contact avec maître Newton Saint-Just n'a fond boucantier et sous question et décision qui prend pour l'État reprendre possession sous les et Sojourner. Alors oui, centrale var 1 var 2 puisque c'était, et selon maître Newton Saint-Just, c'était clause ça, l'État ici était gagné avec Sojourner, réparer, faire l'argent, et puis, après, il faut remettre lui, si nous voulons le constat, dans la première intervention, qui n'a pas gagné pour nous garder avec lui. Ensuite, nous rejoindre maître Newton Saint-Just. Est-ce que m'a brûlé lui, puisque mon téléphone, non, disons parole là, et apparemment, c'est, y'en a nous derrière, y'en a brûlé l'autre. On souhaite tout bagaille setup pour nous capables de continuer à avancer avec maître Newton Saint-Just. Son façon pour tout le monde et éclairer l'antenne, tout le monde dans le cadre de dossier ça qui s'est metté sous gêné avec l'État haïtien dos à dos. Et premier manche là, c'est l'État gagné li, puisque il y a une ordonnance qui sortit. Oui, nous tenons article 9.3. Allô? Allô? Oui, nous tenons article 9.3 contrat Sojourner avec l'État haïtien. Allô? Oui, maître Saint-Just, vous attendez-moi? Difficulté au persister pour nous parler avec maître Newton Saint-Just. Nous connaissons réalité et communication par Boricite. Hein? Réalité communication par Boricite. C'est ça. Et c'est inconvénient tout direct. Hein? Et puis c'est là, il y a des bons. Et fin bonnette, mais là, t'es qu'à toujours venir dans le studio. Donc, on est bataille la gonne. Nous régions. Oui, mais c'est juste, nous t'es dans l'article 9.3. Non, 9.1. Ok, on a aussi. Oui. L'autre là, c'est 20.3 qui dit que Force Sojourner, dans le cas ça, assurer le bon fonctionnement de centrale là, son période de 6 mois. Oui. Maintenant, 9.1 dit très clairement que tout ça, Sojourner a besoin pour exécuter le contrat, c'est les cabines à veille ou que c'est gaz, quel que soit ça le besoin. Après la balle d'État, Billy. Voilà. Non, c'est les cabines à tout à fait. Oui, les factures, l'État a mené capable de la gagner sur facturation. Et on a vu tout ça tout à l'heure. Maintenant, face à deux constats, ça, yo, eh bien, il est très clairement établi que si on a écouté où est la contrat, ça, c'est ce Sojourner Bailly lorsque le rété moteur. Parce que ça vous compréhension, comprenez? Non, non. Est-ce que nous, ou dit rete contre moteur, est-ce que nous avons des techniciens dans moteur, nous, est-ce que Sojourner rete? Non, ça fait déjà, nous te fait constat avec techniciens, et je dis encore un technicien qui va faire inventaire, par contre, combien de temps ça prend, mais il est très clairement établi que, et même une déclaration que vous faites, vous dites que vous avez la possibilité de fonctionner parce que vous n'avez pas de gaz. Vous n'avez pas de l'argent. Mais ça va entrer dans le contrat. Et puis vous dégagez, pour jouer une gaz ailleurs, situation de guerre là, c'est vous créer. C'est vous créer. Et le contrat, il est très clairement établi qu'en pareil cas, il faut que vous assurez le bon fonctionnement des centrales sous une période de 6 mois. Mm-hmm. Maintenant, ça, nous voulons dire clair pour la population, c'est que si ça, va où 1 et va où 2,
c'est pour l'État haïtien. Et laissez-moi dire, Valestin, considérez ce que nous avons fait là, il y a plusieurs missions banque mondiale et plusieurs bailleurs qui viennent, même le bail l'État haïtien, l'argent pour moderniser EDH, pour EDH faire travail. Ça parce que EDH qu'a fait, c'est des nègres qui seulement lui mon moteur, met gaz à donne, il n'y a pas de courant et puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est un contrat qui le gagne avec exécuté, mais qui profite de contrat ça, qui a fait sous facturation. Laissez-nous l'autre bagage encore. Avant de dire l'autre bagage, yo, quand il y a une première question de poser là, qui ça qui est légal dans l'ordonnance qui sortit là, mais ça me demande, pour qui raison l'État haïtien décide de prendre possession sur Genève aujourd'hui? Alors, d'abord, centrale var 1, var 2. Pour assurer la continuité du service public. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour assurer service continuité publique, qui continuité service public. C'est-à-dire que l'État prend possession de ce site-là, qui fournit d'ailleurs, lui a fait inventaire, elle a fait moteur au marché, mm-hmm. et lui a fait fonctionner pour utiliser ce site-là jusqu'à nouvel ordre. Mm-hmm. Mais moteur, pour qui est-ce que tu es? Pour l'État, il sait que ce génère les réparer et l'ITG en période pour le finir, amortir, investissement le faire. Et ça que vous ne connaissez pas. L'État a déjà commandé et plusieurs études. Par exemple, sous est-ce que M. Sahayo rentre Kobio déjà? Eh bien, il y a des études qui font déjà, qui montrent que l'État a rentré Kobio depuis plusieurs années déjà. Mm-hmm. Non, et ils ont ensemble de stratégie. Et on l'a peut-être, on va parler de comment facturer l'État. Mm-hmm. Et par exemple, l'État obligé de payer pour question amortissement ça. Il y a un cob qui presque fixe chaque mois. Oui, et contrat à signer. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça, c'est une puissance qui est installée. Mm-hmm. Alors, puissance que monsieur dit qui est installée, l'État paye chaque mois. D'accord, ou dit l'État joue un courant que le pas un courant. Mm-hmm. L'État prend possession var 1, var 2, reprend possession. Est-ce que ça veut dire, ou parler de période contrat, qui ça période la, contraté, durée contrat, qui ça le dit entre Sojourné avec l'État haïtien? C'est un contrat, non, pour mettre qui était 3 ans, et n'est-ce que tu bâtis à Tioa venant de 14 ans. Mais maintenant, nous, non, phase de rupture de désengagement, il y a même eu carré la résiliation anticipée. Et nous cas ça même, dans cas ça même. Mm-hmm. Et contrairement lorsque c'est Sojourné, la cause là, et des fois, lui dégager, coumettre Jean-Jacques, pour qu'il assure le bon fonctionnement central là pendant une période de 6 mois. Okay. Donc nous sommes à ce stade. Nous avons comme fondement juridique et article 20.3 mm-hmm. et contrat. Mm-hmm. Et tout ça a un rapport avec continuité des services publics. Et lorsque nous sommes défaillants, et même le bon contrat avec l'État, l'État doit faire l'obligation pour suppléer avec eux, mm-hmm. pour être capable de fournir à la population service que nécessité. Et pas oublier tout, question énergie électrique, qui a un rapport avec sécurité nationale. Oui, oui, ok. Pas un simple contrat. Ou pas capable de dire que vous avez tout domaine ça dans mon monde, fait ça le pito avec, je ça a fait pendant depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'était une véritable erreur, pour ne pas dire une faute de l'État lui-même. Et nous, la fourrée à Alpinoué, nous voyons que ça a été fait sous base de manœuvres frauduleuses, de surfacturation, et ça n'a pas été plus que 123 millions de dollars. N'a pas vu sous 123 millions, mais c'est juste. L'État reprend possession var 1, var 2. Qui s'est passé l'État ici avec Sojourné qui fait prendre décision ça? Vous pas attendre. Comment? Vous ne pas attendre des questions. Est-ce que vous recevez là? L'État reprend possession var 1, var 2 dans Sojourné. Qui s'est passé l'État avec Sojourné qui fait décider prendre décision ça? Écoutez, nous, d'ailleurs, pas bien l'État désengagé lui. Depuis plus qu'un mois, mm-hmm. nous songez ça. Et puis, même pendant le désengagement, ça, même à cause du désengagement, ça, le Sojourné supposé qu'il doit continuer à fournir service pendant une période de 6 mois, et ça, et à quoi on a dit. Et parmi eux, c'est pas une simple rupture, c'est pas comme si nous avons un fantaisiste. Il est question de cas de sous-facturation détaillée, il est question de cas de corruption. Et un bon exemple qui simple,
sojourner et recevoir pour de tout ça la acheter yo l'état faciliter les bail franchise pour tout même pour gaz pour faire si tu veux fonctionner pour faire ce qui fonctionner et non sans ça et seul ça que sojourner doit faire avec gaz que l'état permet de l'acheter c'est faire moteur au marché et bien les gars pour mal plaisir malgré les franchises ils vont venir sur le marché national ça relève et abus de biens sociaux qui sont actes de corruption. Ça seulement suffit pour l'État sortir et la frontière parce que les vins sont au détriment de la population. Ils viennent faire au détriment de l'intérêt général. Donc c'est ça que fait ça. Et désengagez-le. En attendant, même le gain des engagements à tout ça, et puis bon, gagner dans une période de remise et de passation qui doit faire. Et même chose pendant l'État, en possession, vous comprenez possession là. Et si on pense, il pourrait aller endommager, il pourrait aller boycotter à Paris, avec notre action pénale. On a prévu une action pénale là. Alors, à partir des ordonnances qui sortent ailleurs lundi, puisque monsieur Damio ou bien responsable sojourner n'a pas répondu présent, est-ce que ça veut dire l'État ici. Va laisser, excusez. Et action, je dis, il n'y a pas aucun rapport avec invitation qui n'est pas faite. Ah oui, non, je ne vais pas le l'avant, pas de problème. Je suis bien content. Il faut non, je ne vais pas le faire. À partir de ce qui passé là, je dis, est-ce que ça t'a voulu dire l'État haïtien résilié contre le dégât avec son génère? Je dis, la rupture est faite depuis la résolution de la sortie au Conseil des ministres. Ça va engager nous-mêmes comme avocats, parce qu'on a dossier. Mais maintenant, comme avocat, nous avons pour mission pour nous mener l'action pénale là jusqu'au bout. Pour nous permettre que l'État récupère à exemple 123 millions de dollars là, et faire toute action susceptible de garantir les intérêts de l'État. Toute action qui est capable de garantir, protéger l'intérêt de la population parce que. C'était un contrat fait pour te servir la population, mais lors qu'il y a un contrat, on a dit que moun que l'État c'est son génère et moun que son génère là c'est l'État, ce bagage qui est véritablement et excessivement grave. Maintenant, cette rupture, et pas capable de dire qui ça l'État pour le faire et pour assumer les responsabilités. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les centrales, les citoyens ont été faites, c'était EDH qui était gagné et sous contrôle li qui t'a opéré là-dedans et dans période ça yo ou t'es gon situation pas comme ça et dans les années 80 depuis le site ça yo fait et malheureusement l'État pas jamais pris responsabilité pour la grande capacité et EDH pour les moderniser pour faire ensemble de bagaille et nous tomber dans ça là et le choix aussi de passer des contrats avec ces firmes privées n'est pas non plus garantir l'intérêt citoyen, et pas non plus améliorer. Maintenant, parce qu'il faut un gros débat qui fait au niveau national pour nous dire qui est sauter dans la situation, ça, parce que nous ne pouvons pas prendre un autre développement sans énergie électrique. Maintenant, j'aime d'où là, c'est important, il ne faut pas mélanger les choses pour la population. Alors, non, je vais me poser une question. Pas de problème, c'est l'âme de vouloir venir avec vous, M. Newton Saint-Just, parce que dans la dernière interview nous avons là avec vous, avant même, 21 novembre, lui-même, il était arrivé, nous avons parlé de 123 millions de dollars que vous avez dit c'est sous l'île de travail. C'est sous l'île, il y a constitué 4 cabinets avocats, ça, c'est sous 123 millions, juste nous avons contrôlé au niveau avocat, mais chaque cabinet est capable de bénéficier. Valestin, nous faisons échange. Remplacement, mon micro, c'est honoré à l'État. Non, pas parce qu'il est aimé quand même, son bon petit bagaille, c'est l'argent. Alors, m'pas bétaniser sous lui. Sous qui ça doit être tribunal première instance pour le instant, Chita, pour prendre décision ça, et c'est lui prendre ses sous demande commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Non, écoutez, sous demande de l'État haïtien, représenté par ses avocats, par les cabinets Février, cabinet Danton, cabinet Fizé et puis cabinet Panou. Donc c'est suite à une requête que nous t'ai adressé à Doyen Montril et document contrario, nous montrer l'ensemble d'actions qu'a fait et qui l'a adressé requête ça. Dans quelle date? Dans la date hier là, nous faisons ça, c'est une requête sur l'ordonnance
et nous gagnons et ordonnance là et puis le parquet les ordonner à juge de paix cité Souleyane de parler de Vertu Julien pour les al remettre en possession parce que espace là comprenez bien oui Varre 1 et Varre 2 c'est les mêmes nous reprend possession maintenant Varre 3 c'est pour son général lié ça va vouloir dire que les pral carré prend équipement lui comme ça parce que équipement ça est capable de servir nous garantir nous même comme avocat pour nous toucher honoré nous ah oui et si il reste comme encore pour l'état joignio dans le cadre restitution ça et que demander 223 millions et tout l'autre cas côté que ce génère l'état doué l'état donc c'est une procédure qui sera longue son procès cap extrêmement long et extrêmement passionnant pour nous autres et chaque pas parce que et ça on comprend Valestin l'invitation de gagner dans parquet c'est non pour finir non avoir des invitations oui mais le, parce que c'est pas lui qui t'a parlé, tout le monde te connaît, invitation, pour la, tant pour la famille et pour responsable sous-génère, et t'es gagné des anciens ministres et anciens directeurs généraux. T'es là, bon, pose une question. T'es gagné tout, et madame, Elisabeth Desbois, ancien et première dame de la République. C'est Mounsaol, toute la République, t'as descendu en bas. Donc là où dis-nous c'est si tu as une requête pendant nous en bas nous remettre à doyen. Nous pas estimer d'aller trop vite, c'est pour, nous pas estimer son décision gros poignet. Non, écoutez, très bien. Nous-mêmes comme avocats, nous parlons pour nous expliquer la stratégie. Nous. Ouais, ça m'a dit dans la presse, il n'est pas représenté la stratégie que nous avons. C'est là nous mettons en application stratégie ou capable. Ça, ceci est très important. Parler n'a pas parlé là. C'est pour informer la population de ce qui s'est fait et pour parler de confusion. Mais stratégie, nous, pas à pas, et dans le dossier ça. Nous avons un ensemble d'actions pour nous faire. Et ce n'est pas seulement en Haïti. Il y a qu'à faire dans notre pays pour permettre l'État à récupérer l'argent. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, nous levons, nous gagnons une action, nous gagnons une panoplie d'actions pour nous mettre en application. Et avec, pendant la suite, ça que nous-mêmes y a fait. Parce que c'est un combat, juridique, bien entendu. Et côté que les stratégies par eux, nous-mêmes nous pas. Donc c'est ça que moi voulais quitter pour nous. J'ai des bagages de faire là, Valestin, dès demain là peut-être ou bien lundi, ou bien semaine prochaine, mois prochain, c'est là où vous faites qui a fait. Ne pas qu'avec nous. OK. On est rentré dans bon ça li bon mon petit babou il a d'en faut mon être avec vous puis c'est maintenant n'attend pas l'opinion c'est ça c'est suite à parce que pas répondre présent hier dans parquet et puis l'état prend décision ça ça pas aucun rapport et le commissaire gouvernement ben écoutez bien commissaire gouvernement pas gagné rien pour lui avec contrat qui lié sous-géner avec l'état haïtien maintenant dans l'exécution contrat, comme il y a des cas de corruption présumée, nous voulons parler de facturation, enrichissement illicite, des cas des actes de blanchiment, et tablier, et tout axe à et j'en ai fait, les montrer que son véritable association de malfaiteurs travaille par qui assez là, lié au niveau pénal. Et ça est important. Maintenant, pour qui ça, il faut que tu aies un autre parquet pour aller reprendre possession, c'est si tu as une résistance, pour si parce qu'il faut comme ce gouvernement qu'on est comment on peut exécuter l'ordonnance là. D'ailleurs, et nous connaissons que comme ce gouvernement yo gagne comme mission pour l'exécution des décisions judiciaires. Ah oui, après ça. OK. Donc hier à travers le commissaire gouvernement, il était joué une invitation certainement et famille et alors responsable sous-génère et ancien DG, ancien ministre et sous l'administration Préval et Elisabeth Desbrosseaux qui c'est ancien ancienne première dame pays d'Haïti, il pas répondre en présent qui ça la loi dit dans cas ça. Écoutez. Vous savez que en droit et dans la vie en général, une invitation est toujours réputée courtoise. Ou il doit inviter un monde et les cas venir, les cas venir. Et d'ailleurs, celui qui a été très courtois, ça lui, lui et c'est M. Daniel Saint-Ville, qui est le commissaire gouvernement, il n'est pas dans le pays, il est dehors. La disponible 15. Et est-ce que vous avez la période pour lui? Commissaire gouvernement dit, parquet a dit que
pas de problème. Le report, c'est un droit, c'est normal. Nous acceptons ça, mais et c'est le 4 matin, nous. Parce que c'est un dossier important. Et pour débrouiller, pour venir, parce qu'au courant de ça qu'on y a là. Maintenant, pour quant à l'autre mounio, et c'est le mépris total de la justice. Et ça, ça va être excessivement grave, Palestin. Mm-hmm. On moun gen gros c'est contre ça à l'État. On fait toute l'agence à l'État. On y a la justice besoin pour clarifier le bagage. Ou mouder la justice. Alors que là, on besoin l'argent chaque mois pour aller prendre et cash, excusez-moi, aller réaliser l'aide de crédit ou bien voyer facture et voyer bord ou sur facture, on a un problème pour faire. Je pense que c'est un comportement qui est vraiment grave pour des gens qui gagnent et contre avec l'État qui a opéré dans le domaine qui a rapport avec la sécurité nationale. Mm-hmm. Et ça te paraît très suspect tout hier, une fois que nous entrons dans le parquet. Eh bien, deux, trois jours avant zone d'entrée calme, et puis les armes commencent à tirer, peut-être, malheureusement, nous pas intimider, et nous t'arrêtons de faire travail nous comme avocat, peut-être c'était pour nous justifier, et qui ça nous va contre. Non, ça qui est important, le commissaire gouvernement, la loi dit que la police recherche les infractions et mener auteur par devant la juridiction compétente. Mm-hmm. Maintenant, pour faire recherche ça, c'est pas un ancien, là, regardez. Et la loi pas dit qui ça pour ça parce que même sans être nous déposer à pour qu'on gagne mise en mouvement de l'action publique. Mm-hmm. Faut que ce gouvernement comprenne ça nous dit hein, faut l'apprécier faire yo. Il y a des monde qui moi peut-être avocat général yo des confrères dit que c'est pas ça va entrer dans compétence commissaire pour l'inviter monde. Mais pas oublier même monde ça yo et qui est avocat pour nous, c'est tout temps y a fait plainte devant commissaire gouvernement, faire commissaire gouvernement inviter l'autre monde pour vous. Mm-hmm. Il faut un avocat, il faut honnête. Et dès qu'on invite tout monde. Oui, tout le temps. Avocat, ça dit commissaire invite tel monde pour nous, qui fait client menace. Et ce n'est pas en matière de menace. Très souvent, pas qu'il y avait invité monde, parce qu'il dit, ou pas un monde qui les menaces là, à matérialiser, il ne faut pas qu'il y ait joué un rôle préventif. Mm-hmm. Et quel est le monde qui dit que c'est avocat dans le dossier ça tout? Il y a des commissaires gouvernement. Il faut qu'on invite monde tout. Et par contre, sur le samedi, donc, faut nous pas la population menti. Commissaire gouvernement, l'y éviter, y'a pas venu, m'a connu ça le bras fait, mais, dossier, de commissaire gouvernement, l'y doit estimer que le papa est suite, que ça nous dit, y'a pas fondé sous recherche qu'il fait. Mm-hmm. Ou bien, s'il estime que c'est délit, y'a qu'un peu seulement, non, plainte noire, ni qu'avouer le correctionnel, et même pour des lieux, estimer que des lieux complexes, c'est qu'avouer le cabinet d'instruction. Mais nous-mêmes, comme avocat, que ça nous va le faire? Ah, là encore, pas qu'à rapport à la stratégie, nous là. Mais okay. Et moi-même, il y a un autre bagage qui arrive, moi, j'ai mon cap dit, commissaire gouvernement, et t'as arrêté le cas arrêté. Bon, écoutez, il est clair que commissaire gouvernement, c'est le flagrant délit, il n'y a pas arrêté. Et arrêtez mon élève, ça. Mais même nous, même tout, nous avons le même pouvoir comme ce gouvernement en matière de flagrance. N'importe citoyen capable d'arrêter tout le monde, mais elle parle devant l'autorité qui est compétente pour ça. Mm-hmm. Nous avons ça très bien. Mais nous n'avons pas le fini, médecin juste. Oui, mais c'est important pour nous dire. Mm-hmm. Flagrance, hein, on doit apprécier en fonction de l'infraction. Par exemple, en matière de vol, pour que flagrance soit qu'il y ait des gens dans la médaille du sac. Mais en matière d'association de malfaiteurs, ce n'est pas le monde à commettre acte. En groupe, en bande. Et bien, il y a un nom de flagrance. Mm-hmm. C'est la constitution de la bande. Il n'y a pas même besoin de passer en action. Le fait même de s'associer à des faits infractionnels capables de constituer flagrance. Non, donc, mm-hmm. Ça dépend de l'infraction. En matière de blanchiment, par exemple. Blanchiment, supposé que son agent prend une infraction ou à le faire propre, ou à poser des actes de blanchiment. En date de 123 millions de dollars, ça, les gens qui transactions à faire qu'il y a et pour transférer comme sur notre compte changé. Mais je dis à là, c'est pas, vous avez dit depuis en 2008, c'était pas combien, non? Si vous voulez comprendre là, et si vous voulez comprendre, c'est ça qui a pris dans tête Mounio, dans l'opinion. Est-ce que nous, pas stratégie mal finie en nous utiliser là, li voler le pas pour li prendre paye. Est-ce que nous avons cherché 123 millions, oui? Et nous avons cherché 123 millions, et bon, garantie, 123 millions, il faut que le pays a joué. Et comment le pays a joué? C'est que la justice prononce, constater effectivement qu'il y a eu cette facturation, constater effectivement qu'il y a des actes de corruption, qui est faux, parce que Bordros a yo, qui se facture a yo, il est au faux intellectuel. Mm-hmm. Yo connaît pertinemment pour qui ça yo fait. Eh bien, c'est à partir
de constat de ces infractions. C'est après que le tribunal a fini de trancher et le juge compétent fini de dire infraction, le condamné de Mounio, et puis il peut alors donner restitution. Mais la justice est ensemble acte capable de poser depuis Kounia pour permettre yo river et contrôler bien Mounsayo, contrôler le mouvement de capitaux qu'a fait pour capable que, il a dit garantie, l'agence a que l'État gagne de yo. Et pas oublier, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je dis à la Mounso Général, il est bien, et le cadre contre ça, par exemple, par le toit, il est capable de servir l'État de garantie toujours pour l'agent là. Maintenant, il faut nous suivre. On a suivi, et comme on a posé Pierre, qui ça qui est pour faire, et on a stand, qui ça par qui a décidé. Mais ça qui est plus important, Valistin. Faut que la population comprenne, faut que l'approprier de deux saisons. Moi-même, je vais le bon message à la population, sauf les ça, vous comprenez. Je vais le bon message là. Grand plus monde qui voulait faire quoi, comme si par le fait que l'État, à travers l'ordonnance, reprend possession, varie 1, varie 2, il voulait dire là, nous devons arriver. Et nous ne pouvons chercher 123 millions en vrai. Radio Omega. Mon cher, il est trop bon pour nous faire conclusion. Ça, est un bon temps. Parce que 123 millions, absolument financier, c'est pas le seul jour, monsieur Dépral. Et c'est sous une période de 8 ans. Donc, en outre, combien de temps pour cette durée? En outre, qui décide, mais qui route que la justice va faire avec le dossier. Il est trop tôt. Et pour vous aller tout ça, et d'ailleurs, pas jamais oublier que central, ça va être deux, c'est pour l'État. Qui ça valait, va retoyer, qui ça le vaut. Et qu'on y a là. C'est expertise que vous faites. Nous, à passer par la voie légale, vous nous faites ça au moment opportun. Et d'ailleurs, c'est une meilleure côté nous pour nous venir nous. Ok. À nous viser d'où? Ah, mon cher. Parce que nous-mêmes, comme avocat, on a touché quand même. Oui, oui. Bah, écoute, pas moi. Donc, ça veut dire, mais pour l'instant, Varie 3 a fonctionné. Non, c'est son bagage que monsieur. Alors là, j'ai le matériel là. Ok. Et moi-même, quand je dis, alors, question que tu as posée, est-ce qu'il est en état de fonctionnement? Non, c'est ça. Mando, est-ce qu'il a fonctionné peut-être? Mando, est-ce qu'il a fonctionné? Parce qu'on parle de lui, parce qu'on parle de lui. Écoutez, derrière. Et des techniciens de l'EDH qui n'a fait inventaire, par exemple, comme étant ça, mais lui-même, nous pouvons qu'à intervenir sous lui. Parce qu'il n'y a pas gagné des actions de faire sous lui à proprement parler. Mais il faut nous dire, c'est dans même site là, gagné, et central, va où et toi, sauf avec des gueules de vini, sous compte de la veille, et là, pressé. Mais ça veut dire, va et toi, tout fermé, puisque nous posons ces lits quand même, nous reproposons.